Coucou mes beautés, je vous reviens aujourd'hui donc avec un menu pour un rééquilibrage alimentaire. On commence par le petit déjeuner qui sera à base d'avoine, donc 50 g d'avoine, 150 ml d'eau, un petit peu de graisse de noix de coco, le beurre de noix de coco. Je vais y incorporer des dattes médjool et des figues sèches. Après, je viendrai donc décorer tout ça avec des noix, des baies de goji. Voilà. Vous verrez ça au fur et à mesure. Je voulais vous parler de l'avoine, mais qui est une céréale pour moi, une céréale magique. Elle est anti-cholestérol, elle est riche en fer, en magnésium, donc pour le système nerveux, en potassium pour le cœur, en calcium pour la minéralisation osseuse. Je la conseille aux femmes enceintes ainsi qu'aux plus jeunes pour le cholestérol, donc pour réguler le cholestérol. Elle est aussi, elle régule la faim parce qu'elle est riche en fibres insolubles, elle limite la production d'insuline. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Elle agit sur le système nerveux, elle aide le foie à éliminer les toxines. Et Dieu sait que le foie, le pauvre, il fatigue pour nettoyer notre corps. Je dirais quoi sur cette céréale? Elle est utilisée en masque pour le visage. Elle est vraiment apaisante, hydratante parce qu'elle agit. Elle a des pouvoirs antioxydants et elle agit directement au cœur de la cellule de la peau. Donc je ne peux que vous la conseiller à 2000%. Donc voilà, j'ai mis mes flocons d'avoine avec de l'eau, avec les dattes coupées, les figues coupées, à cuire doucement sur le feu. En attendant, donc je vais boire une eau détox tous les matins. C'est une eau à base de, comment dirais-je, j'y incorpore des morceaux de citron, des bouts de gingembre que je congèle moi-même et comme ça ils sont tout prêts. Vous pouvez mettre de la menthe, un bâtonnet de cannelle. Franchement, c'est à vous de voir, mais moi, comme je la prépare tous les soirs, donc ça dépend ce que j'ai dans mon réfrigérateur. Et le matin, je vous avoue que j'ai très 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 soif. Donc après, je viendrai boire une boisson chaude. Ça permet de réhydrater le corps après une nuit de sommeil. Je bois du thé sans sucre, sans lait, bien sûr. Les petits pots que vous voyez là, ils viennent de chez Emma. Ceux-là, Love Organic, donc c'est la marque Love Organic que j'ai prise sur Beauté Privée. Et ces deux boîtes-là, chocolat et fraises, je les ai trouvées à Carrefour. Et ce matin, je vais prendre celle au chocolat. Voilà, ça me réveille bien avec cette note chocolatée un peu. Je vais mettre une cuillère et demie le matin. Je l'aime bien un peu corsée, mais franchement, une cuillère rase, ça, c'est déjà suffisant. C'est un très bon thé, hein. Donc, celle qui est en Carrefour, près de chez elle, je vous le conseille de le goûter. Il coûte, je pense, 6 euros la boîte à peu près, ou 5,80, quelque chose comme ça. Et donc, je viens couper mes noix de Brésil et quelques amandes pour venir les mettre sur mes flocons d'avoine qui sont en train de cuire doucement sur le feu. Je rajouterai par-dessus comment dirais-je, du cranberry et quelques baies de goji. Et c'est tout. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des bananes, des pommes. Franchement, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi, je l'aime bien, comme je disais, un peu liquide. J'aime pas mes flocons d'avoine secs et en béton. J'aime pas ça. Ça passe pas. Alors, avec cette texture un petit peu, voilà, fluide comme ça, j'arrive facilement à finir mon bol et donc du coup, tenir jusqu'à midi ou 13 h. Voilà. Donc on décore tout ça et je vous le conseille, hein, surtout les femmes enceintes, les enfants, n'hésitez pas, celles qui souffrent aussi d'amaigrissement, n'hésitez pas de manger de l'avoine. Voilà, notre petit déjeuner est prêt. On passe tout de suite au déjeuner du midi. Vous allez voir ce que je vous ai préparé. Voilà. Donc ce seront des petites tartelettes à la farine de pois chiche. Je vais prendre un poivron rouge, une courgette, un poivron vert, un poivron jaune, un oignon jaune, 150 g de farine de pois chiche, 200 ml de lait végétal, 100 ml d'eau, une cuillère de moutarde. Moi je l'ai prise bio, mais bon,
bon, c'est juste un détail, une cuillère de cannelle, pardon, de cumin, une demi-cuillère de curcuma, une gousse d'ail, du sel et du poivre. Voilà, si vous avez de la ciboulette aussi. Donc je vais venir couper tout ça en fines lamelles et je vais venir les faire griller sur une poêle. Donc moi j'ai mis un tout petit peu d'huile, il faut pas en mettre beaucoup, mais je me suis permise à mettre un petit peu d'huile d'olive car nos flans, donc ce sont des flans au pois chiche, sans matière grasse. Voilà. C'est bien aussi d'incorporer des petites quantités de matières grasses. Nous ne sommes pas au régime, comment dirais-je, draconien. C'est un rééquilibrage. Il hein. Faut permettre au corps de recevoir tous les aliments, tous les bons aliments. Donc là, comme vous voulez, comme vous voyez, je viens de les faire griller sur ma poêle et je prépare en attendant donc mon appareil avec 150 g de pois chiche, 200 ml de lait, 100 ml d'eau et tous les autres ingrédients. Alors pour celles qui veulent peser leurs légumes, avoir comme ça voilà, des mesures précises, c'est à peu près 100 g de légumes déjà cuits. Hein. Mais bon, après, c'est à vous de voir si vous aimez moins les légumes, si vous aimez plus comme moi. Moi, j'aime beaucoup quand il y a les légumes dedans. Et vous pouvez, voilà, les oignons, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Hein. Ça se marie super bien, les oignons avec les flans de pois chiches. Et oui, j'ai oublié de vous dire que je mettais aussi une demi-cuillère de bicarbonate. Ça permet de gonfler, de faire gonfler l'appareil et de digérer la farine de pois chiches plus facilement. Je viens de mettre tout ça dans des petits moules pour que ça cuise bien au cœur, que ça ne reste pas cru. 150-180 degrés au four. Je viens préparer mes escalopes de poulet. J'ai pris ici une farine de maïs. J'avais oublié dans ma première vidéo faite en dialecte algérien, j'avais dit la farine de pois chiche, mais non, c'est la farine de maïs parce que le maïs pour moi se marie super bien avec le poulet. Et je viens faire une panure avec les œufs et avec des amandes et de l'avoine encore une fois. Je vais l'incorporer dans tous mes repas, à part le goûter, vous verrez, mais bon, je vous ferai d'autres vidéos, des cookies, des gâteaux avec le flocon d'avoine, alors ne loupez pas ça. Et je viens préparer une sauce à côté parce que vous savez très bien que le poulet au four, c'est un peu sec. Donc je prends un yaourt de soja, une cuillère de purée de tahina, ou tahini pour certains, un demi jus de citron, j'ai choisi ici le citron vert, et une pincée, pardon. Une pincée de sel et une pincée de poivre. Donc ça, c'est pour une seule personne. Vous avez quatre personnes, vous faites quatre yaourts. Vous avez six personnes, vous faites six yaourts. Donc voilà, ça, c'est la portion pour une personne. Je parlais de la sauce, hein, pas le poulet. Donc le poulet est prêt. Donc vous venez servir après avec une petite salade. Moi, j'ai pris un jeune pousse avec des épinards et tout ça. Et le reste, je le congèle. Et quand j'ai un petit creux, j'en sors un ou deux avec un thé. C'est super bien, ça cale super bien. On passe maintenant pour le moment favori qui est le 4 heures. Et donc on va préparer une glace à un ice cream qui s'appelle Nice Cream parce qu'il est vraiment nice. Il est sans œuf, sans sucre, sans matière grasse. Donc juste de la banane et de la fraise congelée. Vous congelez vos bananes et vos fraises ou vous venez mettre dans un robot, mixeur, blender, ce que vous avez à la maison. Et regardez-moi cette texture. Mais franchement, on dirait de la crème glacée. Regardez-moi ça. Donc même quand vous avez un creux, le soir après votre repas, vous pouvez faire une glace comme ça. Ce ne sont que des fruits. Et j'aime bien le décorer avec un kiwi à chair jaune parce que c'est plus sucré que la chair verte. Et je viendrai aussi mettre un petit morceau de noix de coco fraîche. Après, vous le décorez comme vous le voulez avec les fruits que vous voulez. Et je vous en ferai d'autres ice cream comme ça, un ice cream avec du chocolat, avec du thé vert. Donc, soyez au rendez-vous, vous verrez tout ça petit à petit. On passe au dîner parce qu'il ne faut louper aucun repas. Et je vais faire une soupe d'avoine avec de la courgette, des carottes, de l'oignon, du navet, un demi-litre d'eau, 50 à 60 g d'avoine. Et après, vous mettez voilà, de la coriandre, le persil, ce que vous voulez. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle ou dans ma casserole. Je vais venir donc mettre les oignons. Après, je rajouterai les carottes et les navets parce que c'est ce qui prend un peu plus de temps.
temps à la cuisson, à la fin les courgettes. Et je viens mettre mes épices maintenant parce que franchement, mettre les épices au moment où on vient mettre nos légumes dans l'huile, j'ai oublié le mot, voilà, j'ai zappé. Ça relève un petit peu plus l'odeur des épices. Donc voilà, après je vais rajouter mes 50 ou 60 grammes d'avoine et je couvre tout ça avec un demi-litre d'eau et je laisse cuire à feu doux. Voilà. On prépare un petit dessert pour le soir parce qu'on ne se prive pas, il ne faut pas se priver. C'est comme ça qu'on va continuer à tenir tout au long du rééquilibrage. Donc je prends un demi-avocat avec un yaourt au soja, une petite cuillère à café de sirop d'agave, une cuillère à café de cacao amer et je viens mixer tout ça. Donc ça me fait une crème dessert chocolat. Surtout que l'avocat lutte contre le rachitisme, contre l'amaigrissement. C'est un excellent aphrodisiaque. Il est aussi nutritif qu'une bonne tranche de viande. Comme je n'ai pas manger de viande le soir, juste la soupe. Donc ça me permet de ramener une source de protéines. Il a un effet aussi régulateur sur le cholestérol. Il permet de stabiliser le pH sanguin, contrairement aux protéines qui augmentent l'acidité du corps. Il vient réguler ce pH. Donc n'hésitez pas à manger l'avocat. On voit beaucoup les sportifs en consomment. Hein. Donc je vais un petit peu décorer avec la noix de coco, des grains de courge, et je vais manger un de mes pamplemousses car on sait très bien qu'il augmente notre métabolisme. Donc il aide à brûler. Voilà les calories. Donc je vais en manger la moitié, mais souvent j'en mange un entier parce que j'adore ça. Et je vais prendre une tisane. Donc celle-ci, elle est aux amandes. Voilà, un goût d'amande, j'aime beaucoup ça. Et notre repas est fini, notre journée est finie. N'hésitez pas à m'aider parce que ça prend beaucoup de temps ces vidéos. Donc à m'aider en vous abonnant, en partageant mes vidéos, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.